comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans un nouveau vlog masse. Nous sommes mercredi 13 décembre, milieu de semaine. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais pas avec le temps. Il pleut. Il pleut depuis ce matin. Depuis ce matin que je suis partie à 6h15, et ben il pleut. Franchement, il fait gris et tout, c'est triste. En plus, on a une connexion de merde. Non, mais c'est le mot à dire. Hein. À l'hôpital, comment j'ai galéré. Et là, pareil, je suis en train de galérer. Je sais pas ce qui se passe. J'essaye d'envoyer un message à Vincent, ça veut pas partir. Je ne comprends pas. Ça me saoule. J'ai froid. Moi j'ai allumé le chauffage, hein, ça arrive. Ça arrive assez vite. Hein. J'ai passé une nuit de merde. Déjà j'ai été couchée très tard parce que j'ai fait tout mon ménage pour être tranquille aujourd'hui. J'ai plus qu'à faire les sols, mais ça va être big way en fait. Donc c'est pas moi, aspirateur et tout le tralala. Et j'ai été couchée très 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 tard. Il était 22h30 quand j'ai terminé le ménage. Et Eric me dit bah on va dormir et tout. Bah je dis attends, je voudrais me poser un petit peu dans le fauteuil quoi. Donc il est resté avec moi un petit peu. Puis après il dit bah moi je monte. Bah je dis ok, je vais pas tarder. Oh ouais, sûrement. Il était presque 1h30 quand j'ai commencé à m'endormir. Mais je m'endormais dans le canapé. La flemme de monter, mais c'est pas la flemme. C'est que j'avais froid en fait. Pourtant j'avais un gros pyjama. Et du coup j'ai dû prendre mon peignoir. Le feu était allumé. Hein, et j'avais froid. Du coup j'ai voulu rester en bas. Mais pensez-vous bien qu'on dort pas très bien dans un canapé. Et ben je suis restée quand même et je me suis réveillée plusieurs fois. Donc 3h30 et après quand le réveil a sonné à 5h45. Alors ensuite, ben, j'étais fatiguée, hein, franchement, j'étais crevée. Mais bon, je suis obligée de partir. Hein. Donc j'y vais et tout. Je vais mettre de l'aération parce que j'ai de la buée. Et du coup j'arrive et tout. Je peux vous dire qu'à 8h15, Sandrine n'existait plus, elle dormait et je m'endormais super bien. L'infirmière elle vient me réveiller, elle me dit petit déjeuner. Ben, je dis non, moi je ne déjeune pas, je prends pas le petit déjeuner ici. Elle me dit en plus tu ronfles, t'es fatiguée. Ah oui, ah bah ben, rendors-toi, pensez-vous bien que j'arrivais plus à dormir après. J'étais dégoûtée. Donc là je suis contente que j'ai fait tout mon ménage, comme ça je vais pouvoir me reposer cet après-midi. Donc là je sais pas ce que je fais, si je vais chercher Vincent tout de suite ou si je rentre à la maison et que je vais le chercher après, parce que là pour l'instant j'arrive pas à envoyer de messages. Je sais pas quoi faire, à moins que je rentre à la maison, je lui envoie un message, voir si vraiment il veut venir quoi. Après s'il ne veut pas venir, et après moi je dois aller chez Leclerc. Oh, je crois pas que je vais me reposer quoi, parce que je n'ai plus de produits à vaisselle. Et moi je préfère vraiment chez Leclerc, parce que les autres magasins type Lidl vont mettre une tonne, et non, comme ça je serai tranquille. À moins que j'y vais maintenant. Il est 11h54, hein, je vous ai pas dit l'heure, je suis perdue. Hein. Un peu fatiguée et en plus il pleut, donc j'aimerais faire tout maintenant et puis rentrer et être tranquille. Regardez-moi les cheveux, bon Dieu, mon Dieu. C'est ça quand on frise, hein. Les cheveux se mettent pas comme il faut. Mais bon. Ça y est, le chauffage est là, il fait chaud dans la voiture.
Ouais, faut rester concentré, hein. Avec tout ça. Ouais, du coup, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller tout de suite à Leclerc. Je vais prendre ce qu'il faut. Et après, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai vraiment envie de rentrer. Mais après, si je dois repartir, donc c'est un peu bête. Autant tout faire d'un coup. Et en plus, j'ai hâte de me reposer un petit peu cet après-midi. Parce que ce soir, il y a quoi ce soir? Le meilleur pâtissier. Eh oui! Et moi, j'adore. Je regarde tous les mercredis, sauf un mercredi, j'avais pas regardé. J'avais complètement zappé. Je pouvais le revoir en replay. Hein. Mais à chaque fois, je dis ouais, je vais le faire. Puis après, je l'ai plus revu. Mais là, je le loupe pas. Hein. Eric le sait. Hein. Et des fois, c'est même lui qui me fait rappeler. Parce qu'après, j'oublie. Donc j'ai fait montrer les cadeaux à Julie hier que j'ai acheté pour Amélie et Vincent. On m'a dit oui c'est beau, c'est bien. Donc contente. Très contente. Bien sûr le siège l'avait déjà emballé, mais elle a été voir. Hein. Mais bien sûr, elle peut pas regarder. Hein. Quelle vicieuse hein. Demain, normalement, je repars au magasin. Demain, je finalise. Là, je prendrai le temps, tant pis. Au pire, je dirai à Vincent qu'il dort à la maison. Et comme ça, il pourra rester avec Macho. Mais il faut vraiment que je fasse tout demain. Moi, il ne me reste plus grand-chose. Donc, ça va aller vite. Je ne sais pas ce que je vais manger. J'ai faim. Comme tous les midis, quoi. J'ai faim. Après les midis, hein. C'est un peu normal. Ouais. Je sais pas. Après, j'ai des lasagnes que j'avais achetées à Lidl la dernière fois. Je pourrais me faire ça. Ouais, peut-être faire ça. J'ai mon linge à pendre. Je l'ai mis en route ce matin. J'ai eu le temps de faire la machine. C'est du blanc. Serviette, torchon, etc. etc. Oh! Toujours à faire dans une maison. On a beau à faire tout la veille, il y a quand même des choses à faire. Et demain, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un peu de repassage. J'en ai pas beaucoup, j'ai qu'un petit panier. Donc il n'y a pas grand chose. C'est pas des trucs urgents, hein, c'est des pyjamas. Parce que moi, j'aime bien repasser mes pyjamas. Julien me dit, mais à quoi ça sert, maman? Après, t'es dans ton lit, tout est chiffonné. Ben, je sais, mais... C'est le fait de le prendre, en fait. C'est comme mes gants de toilette. J'adore les repasser. Enfin, j'adore. J'aime bien les repasser. Quoique avant, je repassais aussi des torchons. Après, j'ai arrêté. Mais mes gants de toilette, oui. C'est comme ça, hein. J'aime bien quand c'est bien plat. Puis quand on prend, c'est cool, quoi. C'est comme ça, hein. Le père soleil, parce que j'ai mal aux yeux, hein. Allez, ça flotte. Vous entendez? Regardez. Plus, hein. Il est dit. Et c'est comme ça toute la journée, il paraît. Toute la journée. Alors, Eric, il va être trempé encore. Non, mais là, c'est pas possible. Ah oui. Et l'orage hier, non mais j'étais en train de tourner la vidéo, j'étais en train de faire mon retour de course que je vais vous mettre d'ailleurs dans ce vlogmas. Et d'un seul coup, Eric était dans la salle de bain, d'un seul coup, parce que moi mes volets c'était pas encore fermé, ni mes rideaux. Hein. Et d'un seul coup j'ai vu un éclair, mais je pensais que c'était peut-être un camion qui passait ou... Et le bruit phénoménal, Mathieu, il a commencé à aboyer. Eric est sorti en quatrième vitesse. Il pensait que j'étais tombée. Ou même qu'il y avait un truc qui était tombé de la maison. Il me dit, bah, c'est quoi ça?
Ah, je dis, c'est l'orage. T'es sérieuse? Il me dit, j'ai eu peur. J'ai dit, bah ouais. Non, mais vous vous rendez compte de l'orage au mois de décembre? Faut le faire quand même. Hein. Non, mais il fait même pas froid, il fait 9 degrés. Et même pendant la séance, j'avais trop chaud. Ouais, j'avais trop chaud. J'avais mis mes grosses chaussettes, je les ai enlevées. J'avais la couette, je l'ai enlevée. Et elle m'avait mis le chauffage. Donc, c'est quoi ça? On est quand même le 13 décembre. On est censé avoir de la gelée, du froid, du sec. Et ben non. Non, c'est dingue. C'est dingue. Bon, faut que je réfléchisse si je vais à Leclerc ou pas. Je sais pas quoi faire. Parce que là, ça va être bientôt ma sortie après. Oh, je vais y aller. Comme ça, après, je rentre et je suis tranquille et je sors plus. Ouais, j'y vais. Ah, ça, il faut pas grand chose. Hein. Du poivre, du produit à vaisselle, du papier toilette, du fromage. Non, il faut pas grand chose. Du lait. Oui, du lait. Faut pas que j'oublie le lait. Parce qu'Eric, il me dit, t'as acheté du lait? Oui, il y a une bouteille dans le frigo. C'est la bouteille que j'ai pris chez Grand Fré. Il me dit, bah, faudra en acheter hein, pour le week-end. Je dis, oh, ouais, t'inquiète. Non, c'est dingue hein, que j'arrive à oublier le lait. Et ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Ah ouais, les clémentines à Grand Fré sont pas tellement bonnes. Hein. Je suis déçue. Je pensais me régaler hier. Par contre, les litchi, bon. Pépitas. Ah, puis des pop-corn, il me le faut aussi. Oui, je vous parle de course. Après, je vous parle de ma liste de course. Quoique, on est dans le thème. Hein. Des pop-corn sucrés. Ah oui. Hein. Parce que moi, il n'y a qu'à Leclerc que je les adore. Donc, j'aimerais m'acheter ça. Et puis, peut-être faire un petit peu de plat de chips aussi, parce que j'en ai presque plus. Et des tucs. J'adore les tucs. Ouais, non, il faut pas grand chose, hein, mais vous allez voir que Sandrine, elle va encore prendre un caddie, quoi. Surtout en plus, il y a des promos. Voilà. C'est mieux quand j'oublie ma carte bleue. C'est bizarre, Vincent, il me répond pas. Hein. Je sais pas si le message est parti. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure pour le retour de course de chez Leclerc. Et dans cette vidéo, je vous mets aussi le retour de course que j'ai fait hier chez Intermarché, que je n'ai pas mis dans le vlogmas de hier parce que sinon ça aurait été trop long. Du coup, je vous avais dit que j'allais le mettre dans ce vlog ici parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose, quoique on verra. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 13h20. Donc je me suis posée quand je suis revenue. En fait, j'ai pas été à Leclerc tout de suite. Enfin, j'ai été partie. Mais dans le centre-ville où il y a Leclerc, bouchon phénoménal. Du coup, je suis repartie. J'étais à la maison. Et je captais pas avec mon téléphone. Du coup, je pouvais pas joindre Vincent. D'ailleurs, heureusement, hein? Enfin, heureusement. Il aurait fallu, mais heureusement que j'ai pas été en fait. Et du coup, j'arrive à la maison, puis je lui dis, bah Vincent, tu m'as pas appelé. Bah non, il dit, je pensais que tu aurais venu directement me chercher, mais il dit, de toute façon, je suis pas là. Je dis, comment ça, t'es pas là? Bah je dis, bah t'es où? Bah il dit, je suis avec un pote, on se balade, on papote. C'est un pote du lycée et tout. Ah, bah je dis, tu pourrais me prévenir quand même? Bah ouais, désolé, ah, bah super. Et du coup, je lui dis, bah, traîne pas trop, je dis, il pleut à verse. Et c'est vrai, il pleut à verse. Là, ça se calme, mais il pleut encore. Il me dit, ouais, t'inquiète. Ok, t'inquiète. Du coup, bah, moi, je me suis réchauffée un petit peu à la maison. J'ai mangé, alors j'ai fait chauffer mes lasagnes. J'ai mangé des lasagnes. C'était trop bon. Et après, j'avais pas envie de partir. J'avais envie de rester dans mon canapé au chaud, là, à fermer mes rideaux et être bien, là, comme ça, en coucouline. Mais je peux pas.
je ne peux pas, je suis obligée d'aller chez Leclerc. Donc là, je vais chez Leclerc, qui est pas très loin de chez moi. Enfin, une dizaine de kilomètres quand même. Ouais, à peu près. Donc là, j'y vais. Alors, Mathieu refait la tête, il fait une tronche. Et je lui dis, j'arrive, je fais les courses et je reviens. Et après, maman, elle reste avec toi. Et après, je ne sors pas. Donc, pas évident, hein. Il doit dire, en ce moment, ma mère s'en va tout le temps. Moi, je suis tout seul. Et ouais, j'ai pas le choix, hein. Et du coup, oui, alors j'ai fait ma liste. Je l'ai mis dans ma poche. J'espère rien oublier. On me connaît, hein. Et comme ça, après, je rentre et je ne sors plus. Et je vais même allumer la cheminée après. Parce que Eric, il va avoir trop froid, sinon on rentrera tout à l'heure. Déjà là, il ne m'a pas encore appelé. Donc quand c'est comme ça, je pense qu'il se dépêche pour finir très tôt. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas traîner non plus. Comme ça, je rentre, je allume la cheminée, je fais aller Bigwell. Et puis après, ça sera cool. Alors ce soir, on va manger je sais pas quoi, mais il y a des restes. C'est-à-dire, il reste du lapin. Et moi, je vais peut-être me faire du riz. Enfin, je sais pas encore. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas quoi manger. On a encore de la charcuterie et tout. On a marre de manger. Regardez-moi ces cheveux. Oh là là là. Moi, j'avais pas le temps de me coiffer. Je me suis dit, allez, je remets mes baskets, ma veste et je décolle. Oh là là, quelle idée d'oublier les courses, hein. C'est pénible. Hein. Oh. Bon, moi je serai tranquille et après normalement j'ai plus à y aller. Alors hier j'avais acheté des bretzels, vous savez, j'ai acheté deux bretzels salés et deux au fromage. Et puis la grosse au fromage. Donc hier, Eric goûte au fromage, à l'emmental. Il m'a dit, ouais, c'est bon et tout. Bon, on avait déjà goûté. Et ce matin, je me suis dit, bah, peut-être qu'il va prendre les salés parce que moi, j'aime pas. Et ben, bah, vous rigolez, il a pris celui à l'emmental. Du coup, bah, moi, j'en avais pas. Le chameau. Je me suis dit, je vais me régaler avec mes lasagnes. Ouais, tiens, Sandrine, cours toujours. Ah ouais, moi les salés, j'aime pas. Donc, bah, c'est pas grave, j'ai mangé la grande. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu dure. Je suis un petit peu déçue quand même. Quand c'est comme ça, il faut les manger tout de suite. Sinon, j'ai trop envie de rentrer, me mettre à l'aise. Et puis rester à la cheminée. Oui, je viens de le dire, hein, je le sais. Hein. Ça donne envie. Mais je vais me dépêcher. Il n'y a pas de souci. Je vais me dépêcher. Les flics, ils étaient... c'est les gendarmes. Ils étaient au stop. En fait, ils se mettent là pour regarder ceux qui grillent le stop. Ils ont raison. Hein. Là, il y a une camionnette. J'espère qu'elle va pas, qu'elle va stopper. Hein, parce que sinon, il serait mal. Je ralentis, je regarde. Alors, il a freiné en deux fois. Alors, est-ce que les gendarmes démarrent? Non. Donc, c'est cool pour lui. Allez, pas le surveiller non plus. Hein, là, je dois prendre ma route, moi. Ouais, il y a une de ces averses. Et là, je viens de regarder les informations. Il y a encore des villes qui sont en inondation. Un petit peu en bas de la France, là. C'est horrible. En période de Noël comme ça, c'est horrible. Oh. Les restaurants, les particuliers et tout. Hein. Un petit vieux, là, il me faisait mal au cœur. Oh. Ça fait mal au cœur de voir ça. Bah oui, il faut pas habiter à côté de l'eau. Il faut pas. Moi, j'aime bien, hein, franchement. Si je pourrais, j'aimerais bien habiter à côté d'un lac. Vous savez, j'aimerais bien. Une grande maison, hein,
au bord d'un lac avec des grandes baies vitrées et puis moi du bois, tu vois, vous savez, comme meuble. Moi j'adore le bois, j'aime pas trop le moderne, j'aime bien chez les autres, je trouve que c'est beau, mais moi je préfère quand même du rustique, tout ça, enfin, c'est chaud, je trouve, c'est mieux. Et ouais, ça j'aimerais trop, moi, avoir ça. Mais bon, peut-être dans une vie... Oh, je demandais c'était quoi la musique. C'est le marchand de glace. Marchand de glace, eh ben dis donc. Quoique, moi et Julie, elle a acheté de la glace hier. Hein. Elle a acheté des genre magnum, mais c'est pas des magnum, c'est des nuits. Ouais, nuits. Un truc comme ça. Je dis de la glace. Et le pire, c'est qu'elle est en train de en manger. Elle avait le bâton dans la bouche. La gourmande. Quoique c'est bon aussi, hein, ces glaces-là. Hein. Moi, j'aime bien aussi. Hein. C'est pas tout près, Leclerc. Hein. En fait, c'est des petites routes de campagne. C'est tranquille. Hein. C'est tranquille, il n'y a personne. Bah, vous m'étonnez qu'il n'y a personne. Après, tout le monde travaille. Et puis, tout le monde reste au chaud. Ils sont pas comme moi, aller se balader au magasin tous les jours. Ah oui, mais peut-être qu'ils sont pas comme moi à oublier aussi. Moi, j'oublie toujours, c'est un truc de fou. Là, je prends mon caddie et je sors ma liste. J'ai pas grand-chose. En plus, je l'ai fait à l'arrache. Je vous dis pas, regardez, elle est là. Je l'ai fait à l'arrache. Regardez-moi ce papier. J'ai horreur de faire des papiers comme ça. À l'arrache. Alors, ce qu'il me faut, du lait, je l'ai écrit en premier. Pour pas l'oublier. Des œufs, parce que je sais que les œufs sont pas très chers chez Leclerc. Et comme ça, ça va m'éviter d'aller chez Aldi ou chez Lidl. Mes pop-corn, du fromage, liquide vaisselle et j'écris quoi, du poivre. Et papier toilette, j'ai oublié de le noter. Ouh, ça commence bien. J'ai pas de stylo là. Ah, sacré Sandrine. Mais ça va bien se passer. Quoique le papier toilette, c'est pas important, c'est pas urgent. Mais quand c'est la fin, j'aime bien en avoir. Enfin, quand c'est la fin, quand il reste 3-4 rouleaux. Donc j'aime bien en racheter. Je devrais faire ça avec le poivre, les œufs et machin, machin. Bah oui, mais j'oublie à chaque fois. Non, là, faut pas que j'oublie parce qu'après, j'ai plus envie de retourner aux courses. Alors, tout à l'heure, je vais checker aussi, enfin, je vais réfléchir sur le soir, si je peux, quand ce sera la pub et tout, regarder les cadeaux qui me restent à acheter. Ce qui me manque, parce que il manque un cadeau à Vincent, j'aimerais lui... deux cadeaux à Vincent. Ouais. Ça coûte cher, hein, tout ça. Au pire, je leur dirai, bah, je l'ai commandé, mais vous allez le recevoir le mois prochain. Hey, c'est un truc à faire, ça, en vérité. Hein. Au moins, faites des économies. Oh, je suis vache, quand même. Je suis vache. Non, je le ferai pas. Faut pas exagérer, hein, Sandrine. Et Dieu te regarde. Vous savez, j'ai goûté un petit morceau de bretzel salé, là. Sur ma dent, j'ai encore un petit peu de sel, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai rincé ma bouche et tout. Hein. J'aime pas. Je préfère aller mental. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Bon, j'arrive bientôt. Encore peut-être 1,5 km. Kilomètre à pied, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Chante avec moi. 1 km à pied. Non mais c'est la pluie. Hein. Pourtant je suis fatiguée, je vous jure, je suis fatiguée. Après, du coup, en rentrant, je vous fais le retour de course et le calendrier de l'Avent. J'ai hâte de l'ouvrir. Je suis une vraie gosse.
Oh là 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 là. Ça va me faire tout drôle quand j'aurai plus rien. Bon, si, quoique après, il faut que je les utilise. Hein. Ben là, je mange les bonbons à Gisèle. Mais bon, ils sont là, il faut les manger. Hein. Oh. Il n'a pas acheté pour rien, Gisèle. Hein. Un petit peu tous les jours, des bonbons. Moi, j'aime bien. Et puis, le stylo. Les dessins. Ouais. Je vais me faire un bas de pied aussi tout à l'heure. Parce que j'ai toujours... Enfin, j'ai toujours dit n'importe quoi, j'ai pas dit ça. J'ai dit... il faudrait que je le fasse 3 fois par semaine. En fait, les 3 fois que je vais en séance. Comme ça, l'après-midi, je suis tranquille à la maison. Et je me fais un petit bas de pied. Avec mon vinaigre de cidre. Du titri, du citron. Il faut que j'achète du citron aussi. Papier toilette, citron, faut pas que j'oublie. On parie que je vais oublier des choses. Est-ce que vous allez parier ou pas? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pariez que je vais oublier quelque chose ou pas? Alors. Mais comment je vais procéder aussi? Faudrait que je vous fais pas montrer toutes les courses aussi. Bah si, je suis obligée. Bah non, ça va pas aller du coup. Je vais vraiment essayer de rien oublier. Ah oui, puis moi j'ai mes crevettes aussi que j'ai achetées hier. Ah, je vais manger ça ce soir aussi. Ouais. Pour moi, c'est bon, mon repas il est prêt. Bon, je vais me mettre une place de stationnement ici. J'ai pas oublié ma carte cette fois-ci. Hein. Alors, je suis dégoûtée, il y avait un marché de Noël dans ma ville la semaine dernière. Et je me suis dit, ouais, je vais y aller et tout. Parce qu'en plus, il y avait une glissade de luge pour les enfants, vous savez. Et je dis, Eric, oh, ça serait bien que je vais filmer ça et tout. Et il me dit, ouais. Bah, je dis, j'irai lundi, en fait, après la séance, le soir, j'irai. Ah ouais, bah, lundi, ils étaient en train de démonter tout. J'ai été dégoûtée. La liste. À moins que j'ai un stylo ici dans ma voiture. C'est fou d'avoir une grande voiture et pas de stylo. Non, je n'ai pas de stylo. Ah oui, il faut que je vais acheter des timbres aussi. Parce que j'ai du courrier à mettre. Faut pas que j'oublie, c'est important. Allez, bon, c'est pas grave. Allez, tant pis. On va essayer de rien oublier. Alors, je prends ça, je prends ça, je prends le téléphone, je prends les clés de voiture, je prends ma carte bleue. Voilà, ma carte bleue, c'est bon. Je prends pas de sac à main parce que ça me saoule. Je l'aime pas celui-là. En fait, c'est ça, vous savez. Et en fait, ça s'enlève, la sangle. Enfin, pour mon dos, ça va pas. Du coup, ça me saoule. Alors, je pense que dans une prochaine vidéo, je le mettrai peut-être en cadeau dans un colis. On verra bien. Allez, carte. Pas oublier pour pas avoir un procès. Hein. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure et on croise les doigts des pieds, les doigts, tout, pour que je n'oublie rien. J'ai bugué un petit peu là, ma langue à la fourchue un petit peu. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends. Il est quelle heure? Je sais pas. Je vais vous le dire après, parce que là je suis en train de faire la manœuvre. Je sors de chez Leclerc. Alors j'ai rien oublié, normalement. J'ai tout, j'ai revérifié ma liste. Et j'ai pris le citron et le papier toilette. Donc c'est cool. Donc je suis contente. Oh là là, les cheveux, ils caillent quand même. Il fait 9 degrés et il est 14h10. Pouh, je suis essoufflée. Je me suis dépêchée à aller ranger le caddie. Et là, je vais passer chez Action pour prendre de la lessive. Parce que j'en ai plus beaucoup. Et comme ça, j'aurai pas besoin d'aller au magasin après.
Donc je vais finaliser mes achats de lessive. Je vais en prendre deux, je pense. Ah, il y en a, parce que des fois, il n'y en a pas. Hein. Ça part tellement vite, cette lessive. Tout le monde en achète. Hein. Il n'y avait personne chez Leclerc. Bon, après, celui où je vais, il est petit quand même. Hein. Moi, j'aime bien, c'est celui de Seclat. J'étais une seule fois. Et franchement, il est grand, il est magnifique. Et il y a de ces gâteaux là-bas. Waouh! Mais bon, là, je vais pas les courir jusque là-bas. Surtout qu'ils ne me font pas grand-chose. Non, non, là, après, je rentre. Donc là, je suis dans les temps, c'est bien. Bon. Alors, je voulais des. Je vais éteindre le chauffage. Que je sens que ça monte. J'ai pris ma bouteille d'eau. Comme ça, je vais boire une goutte. Elle est bien fraîche. Plus avec un bonbon à la menthe dans la bouche, je peux vous dire que ça dégage. Donc oui, je voulais des cookies Saint-Jacques. Vous savez, à la bretonne, qu'est-ce que c'est cher. Je sais que de temps en temps, à Match, ils font des promotions. Mais là, c'était 4 euros pour 2. Non, non, ça fait trop cher. Pour 6 euros, j'en ai des fois 5. Non. Oh, j'ai une reniflette. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas renifler. J'ai pas pris de mouchoir en plus. À moi dans mon sac à main peut-être. Oui, je vous raconte ma vie. Hein. La vie de Sandrine, elle est passionnante. Bon, j'ai pris des chips aussi. Les pop-corn, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que j'ai pris en plus? De l'eau, j'ai pris une caisse d'eau. J'en ai encore à la maison, mais au moins j'en ai une. Je vais la laisser dans le coffre. Le lait, je n'ai pas oublié le lait. Je vous entends le dire. Et le lait, t'as oublié le lait, et le lait. Non, j'ai pas oublié. Donc j'ai pris du lait, les chips, le poivre, le papier toilette, du citron, j'ai pris. J'ai pris des biscuits parce que Julie, elle m'avait demandé. Un paquet de Pimm's aussi pour moi. Des petits beurres, j'ai pris aussi parce que j'aimerais faire une recette avec. Des petits beurres avec les plaques de chocolat. Donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Parce que là, on a encore des gourmandises à finir. Donc je ne vais pas en faire pour l'instant. Je fais pas de gâteau non plus parce que bah, pour l'instant, il y a ce qu'il faut. Donc ça sert à rien d'en faire 50 000. 50 000, ça ferait beaucoup. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bah, c'est tout, hein, je crois. Et un paquet de Dragibus. Les tout petits, là, ça m'a donné envie. J'en ai pris. J'ai pris un petit paquet. Ça sera à mettre dans la bonbonnière. On n'est pas à un paquet de prêt. Hein. Voilà, puis c'est tout. Voilà, il me fallait que ça, mais 50 euros quand même. Hein. Bah ouais, ça va vite. Hein. Ah oui, et j'ai acheté des légumes pour la soupe. Une barquette de pot-au-feu de 2 kilos. Parce que je vais la mettre en route, je pense, tout à l'heure. Pour demain. Parce que si demain il pleut, Eric va prendre de la soupe. Ça lui fera du bien. Ouais. Et puis ce soir je décongèlerai de la viande pour Julie, pour elle demain aussi. Ouh, je suis pas de tout repos encore. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Non, je ne me plains pas. On discute. Bon. Allez, je suis bientôt arrivée chez Action, là.
On va prendre de la lessive. Ouais, je sais pas ce qu'il y a à mon téléphone, hein, mais une fois que je sors de la maison, je n'ai plus de connexion. Je comprends pas. Je sais pas, faut que Eric y regarde ce soir. Oh, je vais éternuer. Je vais parler de poivre. Ça fait du bien. Oh, j'en bave. Et ouais, du coup, je comprends pas ce qu'il y a à mon téléphone. Dès que je suis à la maison, ça va parce que j'ai la wifi. Mais en dehors de ça, je capte rien du tout. Donc il faut qu'il regarde. Je sais pas, je comprends pas. Ça m'énerve. Il y a toujours un truc qui va pas. Et en plus, c'est pas ça, mais moi, mon téléphone là, il coûte cher quand même. Hein. C'est pas un iPhone. Hein. Non, non, non. Parce que moi, les iPhones, je n'aime pas du tout. Moi, c'est un Samsung. Mais Eric a payé cher, c'est lui qui me l'a offert. C'est un Samsung S21, je crois. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde sur ma pochette. Oui, c'est ça. C'est un Galaxy S21. Eh ben, je sais pas. Alors, déjà, depuis un moment, il bug. C'est-à-dire, alors peut-être que vous vous y connaissez, hein. Si c'est ça, dites-le moi. Je l'ai fait tomber la dernière fois, il y a 3 mois de ça. Je l'ai fait tomber et du coup, je peux envoyer des snaps, mais quand je veux parler vocalement, ça m'enregistre, mais la personne qui voudra l'écouter ne m'entend pas. Et même moi, si je veux m'écouter, je ne m'entends pas. Alors je sais pas ce qui se passe et ça m'embête d'aller le mettre en réparation quoi. Parce que moi j'ai 4 téléphones, je sais pas comment je vais faire. Je comprends pas. Et là je n'ai plus de connexion, alors je comprends pas non plus. Alors que hier tout allait bien. Hein. C'est bizarre. Pourtant j'ai rien touché. Hein. Je veux dire à Eric qui regarde quand même. Vincent il aurait été là, il aurait regardé. Mais monsieur est avec son pote. Il préfère être avec son pote qu'avec sa maman adorée. Non, il a raison le tchou. Au moins, il sort un petit peu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son pote. C'est un pote du lycée, alors je vais vous dire sa date. Hein. Sa date, sa date. Oui, madame, je ne savais pas que vous allez traverser. Les gens, ils avancent et après ils tournent comme ça. Heureusement que j'ai des bons freins. Voilà. Bon, allez, on va aller chez Action. Ah oui, c'est les promos chez Action aujourd'hui. Ah non, je tombe mal. Je vais être tentée, moi. Non, je vais pas être tentée. De toute façon, je vais pas dépenser l'argent que j'ai pas. Hein. Je le répète assez souvent à mes enfants. Hein. Ne dépensez pas. Oh là là, il y a beaucoup de monde ici. Avoir un enterrement. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Et ben moi c'est pareil. Et en plus demain je dois finir les cadeaux encore. Oh là là. J'ai encore au moins 100 euros à dépenser demain. C'est sûr. À moins que je trouve vraiment la pépite. Oh là là. Mais c'est parce que c'est vrai qu'on avait dit on n'achetait pas trop parce qu'on voudrait attendre les soldes en janvier. Et comme ça, normalement on faisait comme ça. Moi j'ai dit oui d'accord. Bah oui ça m'arrange, je suis en vacances. Et ils se sont pu rappeler que maman elle n'était pas là. Ouais, bientôt Noël. Oh là là. 11 jours, hein, c'est ça, ouais, pour le réveillon. 11 jours. Ben moi, c'est Julie qui va s'occuper des courses du réveillon de Noël. Parce que moi, je passe en séance. Donc après la séance, je peux pas aller faire les magasins. Surtout avec le monde qu'il va y avoir. Donc, soit qu'elle va avec son papa, avec Eric. Soit elle y va toute seule ou avec Vincent, je sais pas. Mais moi, ça sera pas possible. De toute façon, après Julie, elle sait ce qu'il faut, quoi. Je la laisse. En fait, c'est elle qui m'a dit, moi, je gère.
C'est moi qui fais à manger, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Donc c'est cool. J'ai une bonne fille. J'ai des bons enfants. Et chez Amélie, c'est le 25. Donc je vais me la couler douce. Je serai invitée. Ah oui, il faut que je m'achète une tenue, moi. Je sais pas quoi mettre. Pour le 25. Le 24, ça va, j'ai ce qu'il faut pour la maison. Mais le 25, comme il y a ses beaux-parents et tout, c'est normal qu'on soit présentable. Oui, je m'amuse un petit peu comme ça. Ouais, je sais pas ce que je vais mettre aussi. Je sais pas. J'avais vu une belle robe. Où je l'ai vue? Je sais plus où je l'ai vue. À Stokomani. Mais vous savez, ça fait un gros élastique en dessous de la poitrine. Et moi, j'ai peur que ça me grossit en fait. Elle était jolie, elle était pas chère. 10 ou 20 euros, je sais plus. Mais bon. Chaussures à talons, ben, ça va, j'ai ce qu'il faut. Ou je mets un pantalon avec un haut. Un pantalon, je préfère, moi. Je suis plus à l'aise. Ouais. Avec un petit haut doré, enfin paillette quoi. Ouais, j'irai voir ça. J'irai voir. De toute façon, je vais aller à Primark demain. Donc Primark, et puis sinon, j'irai voir chez Kaby. Hein. Je pense que chez Kaby, je vais trouver. Hein. Ouais. Ou bien, il faudrait que je regarde ce que j'ai comme robe. Mais c'est tout des grandes robes. Moi, c'est des tailles qui. Taille 44, et moi, je mets plus taille 44. Ça, c'était ma vie avant. Alors ici, ils ont ouvert un nouveau magasin. Je vais aller faire un tour, mais je ne sais pas quand ça ouvre. Ah si, ouvert. Alors c'est un dépôt-vente permanent. Vide, grenier, brocante et triperie. Ouais, ça me tente bien d'aller faire un tour peut-être demain. Ouais, parce que là, j'ai pas envie de... Là, j'ai envie de rentrer, j'ai pas le temps. Mais demain, ouais, j'irai bien faire un petit tour. Peut-être que je vais trouver une pépite, hein. C'est cool ça, parce que c'est vrai que dans la ville ici, il n'y en a pas. C'est pas ma ville à moi. Mais regardez, vous voyez, c'est écrit là. Ici, là. Et avant, là, c'était un magasin qui vendait des salons marocains. Alors moi, c'est trop beau. Hein. Franchement, c'est trop beau, j'aime bien. Mais, mauvais souvenir. En fait, quand je suis partie en vacances au Maroc, on était parti. En fait, c'est. Comment vous expliquer? C'est mon neveu, son copain, sa famille avait une maison au Maroc. Enfin, là toujours. Et elle nous l'a prêtée. Donc, et moi, je me suis. J'ai dormi sur le canapé. Parce qu'il fallait dormir là, quoi. Et ben, dur comme du béton. Dur comme du béton et du coup mauvais souvenir. Voilà. Mais sinon c'est beau, hein, j'aime beaucoup. Après peut-être qu'il faut vraiment acheter la qualité, je pense. Peut-être que c'était pas de la qualité. Hein. Je ne sais pas. Bon allez, je suis arrivée chez Anxion. Alors, est-ce qu'il y a une petite place pour Bibi? Oui, on a une ici, impeccable. Impeccable. Hop. Moi, je me mets pas trop à côté des voitures. J'ai toujours peur qu'ils griffent ma voiture. Bon, allez, je vais revoir une petite gouttelette. Une petite rincette, comme on dit. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette eau. Je l'adore. Voilà. Est-ce que j'ai des bonbons à la menthe dans ma poche? Ouais, il me reste deux. J'en remets un. Ah, je fais beaucoup, hein? J'en ai un ici dans la voiture et un dans mon sac de l'hôpital. Bon, allez. On arrête la voiture. Est-ce que j'ai mis le frein à main? Oui, tout est OK. OK, les clés, je les ai. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la maison.
Bon, les amis, je vous reprends à la maison. Il est, je sais pas quelle heure, 15 heures. Donc, je vais vous faire montrer ce que j'ai pris, ce que j'ai acheté chez Leclerc. Je vais prendre un bonbon à la menthe. Aïe, aïe. J'ai mes chaises sur la table. Je me fais mal. Parce que je vais faire passer Bigwell. Et donc j'ai un pack d'eau dans ma voiture et le pack de lait. Donc j'ai pris du papier toilette. J'ai pris des petits beurres. J'ai pas beaucoup de place avec les chaises sur la table là. Ouh, je sais pas où je vais mettre. Le pot-au-feu légumes. Voilà, il y a 2 kilos, j'ai payé 4,59€. Donc, il y a pas mal de choses. Du coup, je vais faire ça tout à l'heure. Du poivre. Et qu'au plus, ça. Hein. Ça, c'est du poivre après. Le fameux paquet de bonbons Dragibus. Moi, c'est les petits. Hein. Je préfère. Un petit peu sa déco, un filet de citron éco plus, un camembert les croisés, un paquet de pims à la poire, alors ça je vais le manger après. Et Julie elle m'avait demandé des biscuits comme ça, des tranches de cake, ouais tranches de cake, donc j'en ai pris deux. Parce qu'à l'intérieur, il n'y en a que 6. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris des chips Eco Plus comme ça. Les petits paquets sont très bons. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de lumière. Ouais, je trouve que c'est un peu mieux là, mais largement même. J'ai augmenté la lumière. Allez, des œufs. Alors j'ai pris cela parce qu'il n'y avait que cela. C'est à l'eau de 10. J'en ai pris 3 boîtes. Donc, ils sont dans le sac. Je vais me rapprocher là. Hein. Attendez. Je vais. Hop. Je vous pousse un petit peu. Voilà. Un petit voyage. Je vais vous remonter un petit peu. Ah, et c'est tout un système hein, les vidéos. Hein. Le produit à vaisselle. Hop, 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 et badaboum. Du produit à vaisselle. Visior, comme d'habitude, mon préféré de la marque Repère. Amande douce. Citron. J'en ai pris 3. Et pamplemousse et vinaigre blanc. Ensuite, j'ai pris un spray nettoyant Javel. Pourquoi? Parce que en fait sur mon plan de travail, quand je fais à manger, quand je mets du paprika ou du curcuma, surtout le curcuma, ça m'a taché mon plan de travail. Et en fait, comme ça faisait de la poudre, je me suis dit, bon bah un coup de lavette et ça va partir. Oh oui, ça m'a fait une tache. Du coup, du Javel. Ensuite, popcorn, j'ai pris 3 paquets. Popcorn sucré de la marque Mengis. Ils sont trop bons ceux-là. Troisième paquet. Des vrilles de pizza. 4 paquets. Et puis, c'est tout pour Leclerc. Donc, vous voyez, ça va, hein. J'ai rien oublié. Hein. Ouais, je suis bien là. Ensuite, action. Je vais chercher mon sac, il est juste là, au bout de la table. Et je reviens ici à l'arrière. Allez, action, hop. Il y avait quand même du monde chez Action, je trouve. Bon, là, il n'y a presque plus rien en décoration de Noël. Il commence déjà à tout enlever. La lessive, comme ça je suis tranquille. De l'assouplissant. Voilà, j'ai pris le bleu cette fois-ci. J'ai pris ça.
une brosse pour nettoyer les toilettes. Vous voyez? Regardez. On peut faire comme ça. Comme ça. Comme voilà, comme ça. Franchement, c'est cool, hein, je trouve, en silicone. Je trouve ça pas mal. C'était 2,59€. Regardez. En plus, ça se lave bien à l'eau et tout, ça, c'est cool. On va regarder. On va regarder. Bah alors, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est le scotch, hein. C'est dur. Bon. Ça va m'énerver. Ah, ça y est. Non, même pas. On prend les clés. Hop. Ça va vite avec des clés. Je vais aller me coiffer après parce que... Ouh, j'ai une tête pas possible. Alors, comment ça se présente? Alors, si je commence à tout casser. Hop. Hop. Ça, ça doit être pour l'accrocher sûrement. Un petit truc comme ça. Je vais le laisser dans la boîte. Eric va regarder. Ouais, c'est comme ça en fait. Petite brossette en silicone, c'est pas mal. Hein, 2,50€. C'est nouveau. Moi, je l'avais jamais vu. Sinon, pensez-vous bien que je l'aurais acheté. Donc, je vais dire à Eric qui me l'installe. Ça, c'est cool. J'ai repris une boîte de bonbons à la menthe. Comme ça, j'en ai d'avance. Ça, c'est pareil. À chaque fois que j'irai chez Action, j'en prendrai une boîte. J'ai pris deux bougies pomme cannelle. C'était en promotion de cette semaine. Alors, il n'y avait pas grand-chose hein, en promo cette semaine. Donc, j'ai pris deux bougies que je vais allumer tout à l'heure. Et pour finir... Voilà, j'ai acheté deux choses pour le panier cadeau, voilà, que je vais bientôt tirer au sort. Donc j'ai pris Asprey pour le corps, moi j'ai le même et il sent très très bon. Donc je vais rajouter ça dans le panier. Et une boîte de chocolat. Alors moi j'en ai pris deux, en fait c'est un pour moi et un pour le panier cadeau. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en place et puis je vais bientôt préparer le panier. Ça, je vais goûter aussi tout à l'heure. Quand on revient des courses, on a envie de tout manger. Donc voilà pour les courses du jour. Alors, il y aura pas mal de courses parce qu'il y aura Intermarché de hier que j'ai fait, mais je vous la mets dans la vidéo d'aujourd'hui. Ah, je vais ouvrir mon calendrier. Et puis les courses de chez Leclerc et de chez Action. Hein. Donc voilà, ça sera quand même, on va dire, un gros retour de course du jour. Allez, je vais chercher mon calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti le 13 décembre. Allez, on commence toujours par Gisèle maintenant parce que j'aime trop ses cadeaux. Et après, je vais allumer la cheminée parce qu'il fait froid. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Ben, vous savez où je vais la mettre? Dans mon camping-car. C'est une serviette essuie-main. Elle est trop belle. C'est écrit quoi? Happiness, hope, joy. Bon, j'ai des mots en anglais. Peace. Magnifique. Super couleur. J'adore. Oui, je vais la mettre dans la salle de bain de mon camping-car. Merci Gisèle. Ensuite, mon calendrier de l'Avent. Alors, le numéro 13, il est où? Là, il faut ouvrir ses yeux. Hein. Alors, le 14, il est là. Mais on n'est pas... Ah, le 13, il est là. Hop là. Ah, c'est dur. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors,
Je pense que c'est un gel douche. Oui, c'est un gel douche. C'est cool. Je vais le sentir. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Quand je commence à tout ranger pour laver ma maison, j'ai pas de place. Ouais, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Mais c'est pas ce que j'aime. Donc je vais le donner à Eric, je pense. Ouais. Bon ben voilà. Allez, je me dépêche de faire tout ce rangement-là parce que c'est le bordel. Je range mes courses. J'allume la cheminée. Je plie mon linge. J'allume Bigwell. Et après je me repose un petit peu. Et après on verra. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour la bêtise du lutin. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas quelle bêtise qu'il a fait, mais faut regarder comme ça un petit peu partout. On verra ce qu'il a fait tout à l'heure. Je ne sais pas où il est. Il est peut-être en train de préparer sa bêtise. Allez, à tout bon, les amis, je vous reprends pour le retour de course du jour. Alors, j'ai été chez Intermarché. Donc, on commence tout de suite. J'ai pris Apulco pétillant au citron pour Vincent. Vous savez que c'est sa boisson préférée. Donc, il m'en a demandé. J'ai dit, ok, mon fils, je t'en prends. J'ai pris un pack de Coca-Cola. Parce que de temps en temps, j'aime bien en boire. Je me suis bien calmée quand même. Mais de temps en temps, j'aime bien avoir un petit peu de pétillant. Même que je bois de l'eau gazeuse et tout, c'est pas pareil. J'aime bien avoir le goût du Coca-Cola. J'ai pris du Haïti de la marque Look. Voilà, pour Julie et moi. J'ai pris une limonade Look blanche pour boire avec du sirop à la violette. J'adore ça, c'est trop bon. J'ai pris une limonade Look Fun à l'orange. J'ai trouvé mes crevettes préférées. Du coup, je n'ai pas hésité à les prendre. Moi, c'est les crevettes nordiques de la marque Odyssée. C'est la marque Intermarché. Voilà, moi, ceux-là, je les adore. Donc, je vais les décongeler pour moi demain midi. Dans l'après-midi, quoi. J'ai pris du sel, fleur de sel de Guérande de la marque La Baleine. De la sauce hollandaise, la marque Knorr, j'en ai pris deux. Des Cheetos au goût fromage, un paquet. Pour Julie, des Pimps à la fraise. Oui, si chacun a ses courses. J'ai pris un cake. Ouais. Un cake le moelleux. Produit en Bretagne, les Kakadelek. C'est trop bon ça. Avec le café ou même un thé. Pour moi, des Pimps à l'orange. Alors j'aime bien aussi. Je préfère à la poire. Mais il n'y en avait pas. Donc, Pimps à l'orange. Ensuite, j'ai repris des Chamonix à l'orange de la marque Lu. Ça, j'adore, c'est trop bon. Je regarde la télé et je m'enfile ça. On fera régime 1er janvier, les résolutions. J'ai pris des yaourts, des Danettes au chocolat par 8. C'était 2,29 € les 8. Donc j'ai pris au chocolat et à la vanille. Macho, viens ici. À la vanille. J'ai pris mes céréales barres de Lion parce que c'est ceux-là que je préfère. Franchement, les autres que j'avais achetées la dernière fois, je sais plus c'était quoi, Coco Pops ou je sais pas quoi en barre, j'aime pas. Je préfère les Lion. Donc j'en ai repris. Ça, c'est pour moi la séance. Ensuite, j'ai pris des tucs
original pour l'apéro et pour manger comme ça. J'ai pris du riz en sachet de la marque Lustu Cru. Voilà, il y a 5 sachets à l'intérieur de, je sais pas combien de grammes il y a dedans. 180 grammes par sachet. Donc, il y en a 5, ça fait 900 grammes. Même pas un kilo. Ensuite, j'ai pris du Monsieur Propre, du dégraissant au citron. Alors, chut, essuyé, terminé. Voilà, j'ai pris au citron et là, j'ai pris à la pomme. Alors, il y a un dégraissant et un désinfectant. Donc, j'ai pris la pomme parce qu'il y avait moins 60% ou moins 70% sur le deuxième, je ne sais plus. Donc, j'ai pris du Monsieur Propre. Allez, on continue. J'ai été interrompue. Je recadre. J'ai pris des plaques de chocolat parce que j'aimerais faire comment on dit ? Pas une invention, non. Ça sent bon. Bon, une recette. On va dire une recette. Voilà. Ah, donc, j'avais besoin de 4 plaques. Donc, j'ai pris des plaques chaque parfum. Alors, chocolat blanc de la marque Ivorian, c'est un dessert, caramel, praliné et chocolat au lait. J'ai pas pris chocolat noir parce que on n'aime pas trop. Enfin, moi j'aime, mais les autres n'aiment pas. Je vais vous remonter parce que là, ça va pas. Ensuite, j'ai pris des bananes, une main de bananes. J'ai pris du French Disc Canard. Voilà. Voilà pour les courses de Intermarché. Et j'ai pris, bien évidemment, les bonbons. On n'oublie pas les bonbons pour manger devant la télé. Voilà. Pour les rageux. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Non mais regardez-moi encore ce petit lutin farceur. Monsieur, il aime beaucoup le chocolat. Là, il est en train de manger une danette au chocolat. Ouais. N'essaye pas de regarder sur le côté. Je te vois et en plus, c'est tout sale. Oh, il a mis du chocolat partout. Petit lutin farceur. Bon, je vous reprends, il est 19h10 pour finir ce vlog en masse. Donc j'ai mon casque parce que je suis en train de bosser et je fais à manger en même temps. Donc j'espère que ce vlog masse vous aura plu avec ce grand retour de course et puis le lutin farceur, le calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon appétit. Prenez soin de vous. À demain. Bisous. Ciao.